Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 16h30 à peu près et nous sommes mardi 3 mai. J'attendais désespérément mon colis pour ouvrir ce vlog et vous montrer. Parce qu'hier j'ai filmé une vidéo et finalement on est parti à Nozon. Vous avez le haul Noz ce soir, de toute façon vous l'avez déjà vu. Donc je suis trop contente, j'ai trouvé la marque Lovely Weibo. À Noz, voilà. De toute façon, c'est plus fort que moi. C'était sûr que j'allais y aller. En plus, c'est des marques de maquillage dont je vous avais parlé. Donc, c'est vraiment quelque chose que, voilà, qui m'intéressait. Et pour une fois, ça faisait très longtemps que les arrivages à Noz n'étaient pas autant, autant sympas. Donc, ça valait le coup. Et j'ai reçu des petites choses. Enfin, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc, je suis contente. On est passé du coup, parce que nous, on va pas dans le Noz de ma ville en fait. On va à celui à une petite demi-heure, même pas, de ma ville. Et en fait, il y a Noz, Action, et il y a Stock Privé. Je vous avais déjà fait un haul Stock Privé il y a un petit moment, hein, parce que franchement, après, il n'est pas foufou. Mais du coup, on a trouvé du Timothy, et il était à 1,19€, donc il était à un prix sympa. Donc, j'en ai pris un à l'huile d'amande douce, comme ceci. Donc, c'est du shampoing. Oui, c'est du shampoing parce qu'il y avait de l'après-shampoing, donc je faisais attention aux étiquettes. Et aux herbes des Alpes, je l'ai déjà testé celui-là. Celui-ci, je ne crois pas, mais celui-ci, c'est sûr que j'ai déjà testé. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir ranger, j'attendais de vous montrer. Et à Jiffy, j'ai trouvé le kit de colis express, parce que j'en avais entendu parler, mais moi, je ne l'avais jamais trouvé. En fait, c'est un kit où vous avez donc 8 sachets enveloppes autocollantes, 8 feuilles autocollantes imprimables A4, voilà, colis, expédition, envoi, vente. Et en fait, vous avez, il est à 2,99€ à Jiffy et vous avez donc 8 colis à faire avec ça. Donc c'est comme ça et voilà. Donc je trouve ça assez intéressant quand j'ai plus, par exemple, de petites choses pour emballer ou quoi. Bah, je trouve en dernier cara, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à aller voir sur Vinted, hein, il reste pas mal de petites choses. Je me suis occupée aussi, donc félicitations à la gagnante du concours, voilà, Céline, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et encore félicitations à toi. Voilà, le concours des 3K est terminé et on a la gagnante. J'ai préparé son colis aujourd'hui et comme j'ai un autre colis à envoyer en mondial relais, donc j'enverrai tout ça demain, voilà. C'était la première fois que je faisais un envoi mondial relais en payant moi-même, en créant une étiquette moi-même. D'habitude, je fais sur Vinted, mais l'étiquette est déjà créée. Donc, voilà, j'ai réussi, donc je suis contente. Donc, ça, c'est cool, c'est prêt. Et du coup, j'ai reçu mon colis. C'était une offre qui avait, en fait, par rapport à aux dernières grandes palettes qui étaient sorties. Il faisait la grande et la plus petite ou la plus moyenne à 19 quelque chose. Donc franchement, ça vaut le coup parce que une semaine avant, elle était à 23 et quelques le lot des deux. Et en fait, la grande vaut 23€. Donc là, j'ai eu 19€ du coup les deux. Donc c'est la grande comme ça. Voilà, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je la voulais. Donc je suis contente, franchement la qualité du Tibet elle est incroyable, vous avez le miroir et du coup vous avez, voilà. Et en fait vous voyez c'est un plat que j'ai pas trop en fait. Et voilà, et elle est juste incroyable et j'aime beaucoup, voilà. Je suis contente qu'il fasse des gammes, qu'il fasse des gammes comme ça, hein, Beauty Bay. Et du coup je me suis pris aussi. C'est la première fois que je teste. J'ai un problème avec les sticks en ce moment. Je fais tout en stick. Donc ça, c'est un primer en stick, en fait, pour matifier en plus. Voilà. Donc c'est un petit stick, hein, de toute façon. Donc pour mettre en plus du primer. Donc franchement, j'ai hâte de tester tout ça. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, j'ai mis mes vidéos, du coup. J'ai mis la vidéo, j'ai mis le haul Noz pour ce soir, j'ai mis ma vidéo pour vendredi. Donc voilà, donc du coup, exceptionnellement, vous allez avoir une vidéo en plus. Je vous avais dit lundi, mercredi, vendredi. Du coup, vous allez avoir la vidéo ce soir en plus. Mais je voulais vraiment vous donner l'info et vous, voilà, vous montrer aussi un petit peu ce que vous pouviez trouver si vous alliez faire un petit tour. Ça vaut vraiment le coup, franchement, je vous l'ai dit.
Moi, sur mon total, je suis à 48 euros d'économie quand même. Parce que, comme je vous l'avais dit, de toute façon, dans tous les cas, j'allais passer commande. Donc, franchement, ça vaut le coup. Et puis, il n'y a pas de frais de port. Voilà. Donc, ça c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, j'ai bien bossé aujourd'hui. Je me suis déjà démaquillée, de toute façon. Et puis, voilà. Sinon, tout le monde va bien. Et je vais vous montrer aussi, du coup. On a fait un petit truc avec mon chéri, parce que du coup, comme j'avais, vous savez, mes serre-têtes, je ne savais pas trop où les mettre. Et du coup, on a trouvé un petit truc. Bonjour, bonjour, on est jeudi, il est à peu près midi. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour continuer le vlog. Alors, oh là 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 là, vous l'aurez vu un peu cette semaine, ça va être une semaine un peu calme. C'est vrai que comme je suis à jour au niveau de mes vidéos, j'ai pris un peu de temps aussi pour moi, parce qu'en ce moment, c'est un peu... Dans ma tête, c'est un peu bizarre. Et voilà, ça me permet du coup de prendre un petit peu de temps pour moi, et je dois vous avouer que ça fait du bien. Et en plus, hier avec mon chéri, on s'est amusé à faire quelques petits réels et tout, c'était assez sympa de faire des choses en plus en commun. Et je vous ai mis ça sur Instagram, voilà, la nouvelle action pour... Par rapport à la chaîne aussi, le développement de la chaîne. Comme vous savez, j'essaye de mettre des petites actions en place pour développer un peu plus la chaîne. C'est de faire des réels. Donc, je m'y suis mis la semaine dernière déjà. Après, le plus dur, c'est de trouver les idées. Donc, c'est pour ça aussi que, comme les vidéos sont faites, j'ai pas besoin de trouver d'idées pour les vidéos. Donc, du coup, je peux trouver des idées pour les réels. Donc, voilà. Le fait de ne pas travailler pour YouTube me permet de travailler sur autre chose pour YouTube. Je pense que vous avez compris. Donc voilà un petit peu. Donc hier on a fait ça. J'ai aussi du coup envoyé le lot du concours. Hier j'ai rattrapé un peu aussi. C'est hier? Oui, c'est hier que j'ai rattrapé. Hier, avant-hier, j'ai rattrapé un peu les vidéos aussi de adoration. Je vous en parle de temps en temps. De la chaîne My Charms Beauty. Excuse-moi, à chaque fois je dois écorcher ton nom. Si vous venez d'arriver et que vous n'avez pas suivi, en fait, c'est quelqu'un qui m'a soutenue, en fait, et qui me suit depuis un petit moment. Et j'ai découvert, en fait, qu'elle me suivait lorsqu'elle m'a fait un peu de publicité, tout simplement, sur sa chaîne, en fait. Et que certaines personnes ne sont arrivées. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous venez peut-être de sa chaîne. Et c'est peut-être grâce à elle, du coup, que vous m'avez découverte. Et du coup, c'est comme ça, en fait, que, voilà, que j'ai su qu'elle me suivait et qu'elle m'a fait voilà, un petit peu de publicité, qu'elle a parlé de moi, que mon histoire l'avait touchée. Et voilà, et je trouve ça formidable parce qu'elle a plus d'abonnés que moi. Et vous savez que YouTube, c'est quand même un monde un peu particulier. Moi, personnellement, je parle à personne. J'ai quelques contacts avec Passagère du Temps. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Mais après, vraiment, voilà, Adoration et Isa, c'est vraiment les seules personnes avec qui je discute. Et du coup, je discute un peu plus avec Adoration. Je me suis vraiment attachée à elle. Je la trouve admirable, vraiment, parce que on a vécu à peu près la même situation. Et c'est fou, en fait, parce qu'en continuant à regarder ses vidéos, je me retrouve beaucoup en elle. Après, on a à peu près, je pense, le même âge. On a à peu près le même parcours, entre guillemets, de vie, la même optique. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Et voilà, elle a fait une dépression, tout comme moi, à cause d'un problème au travail, hein, du harcèlement moral. Elle a eu le courage de dénoncer ça, chose que moi, je n'ai pas fait. Et je l'admire beaucoup pour ça. Parce que je sais que c'est une démarche très compliquée. Et je l'admire beaucoup pour ça. Voilà. J'ai regardé du coup ses vidéos et elle a parlé du swap. Donc voilà. Je vous en parle aussi du coup. Puisqu'elle a vendu la mèche. Bon après il n'y a pas de grand secret. De toute façon si vous aviez suivi on en avait déjà un petit peu parlé. Donc voilà un petit peu sur quoi je travaillais aussi en parallèle. Voilà. Qui m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai vraiment voulu mettre beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me fait plaisir. En fait, je suis quelqu'un, et je pense qu'on est quand même beaucoup dans ce cas-là, on prend du plaisir à faire plaisir. Voilà. Limite, faire plaisir, ça nous fait plus de bien qu'on nous fasse plaisir. Voilà, je pense que, voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes comme ça, mais je pense quand même qu'on est quand même beaucoup comme ça. Et du coup, voilà, j'ai fait attention à tous les petits détails, j'ai essayé de trouver plein de petites choses, donc voilà, ça va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver, donc
Allez, quand ça arrivera, de toute façon, je vous le dirai. Et voilà. Et j'espère que vous irez voir un petit peu, du coup, mes petits. Je vous jure, parce que pour quelqu'un qui n'est pas forte en déco, qui n'est pas manuel, qui n'est pas très, très dégourdi du cerveau, on va dire, enfin, surtout des mains, j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment voulu faire les choses correctement, parce que c'est quand même une. Enfin, voilà, c'est une belle personne. Et voilà, quand j'admire quelqu'un, et Dieu sait que j'admire pas grand monde, en même temps je ne parle pas à beaucoup de monde, peu de gens arrivent à rentrer un peu dans mon petit cercle. Bah, d'ailleurs, il n'y a personne qui rentre dans mon petit cercle, hein, clairement. Mais c'est vrai que voilà, c'est compliqué pour moi de. Les relations humaines sont hyper compliquées pour moi par rapport à plein de choses. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup touchée, et ce qu'elle a fait, voilà, comme je lui ai dit, je l'oublierai jamais, vraiment. C'est là que j'ai pu voilà, découvrir sa personne, et que au fur et à mesure du temps, bah, je m'attache à elle, voilà, tout simplement, et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a changé en plus un petit peu sur sa chaîne, au niveau de son point de vue, des choses comme ça. Et je suis 100% d'accord avec elle, même si moi, je ne suis pas forcément en adéquation avec ça, dans le sens où moi, je me suis privée toute ma vie, donc en fait, c'est maintenant que je commence un petit peu à acheter, et encore, je suis pas. Mais voilà, après moi il me faut des choses. Donc c'est pas pareil, à ce niveau-là on n'a pas le même train de vie, mais c'est vrai que voilà, je la rejoins sur plein de choses, que faut profiter de la vie, il faut profiter des moments simples, qu'il faut voilà, qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Mais c'est vrai que pour moi, bah voilà, s'il y a des petits à côté, bah ça me fait plaisir, mais vraiment j'aime beaucoup sa vision des choses, j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce qu'elle dégage, hein, et j'aime beaucoup son parcours. Je suis admirative, hein, vraiment. Donc voilà, du coup, il va y avoir un swap très prochainement. Donc soyez au rendez-vous. Et du coup, j'ai regardé un petit peu aussi. Hier, j'ai regardé parce qu'elle avait fait elle a fait un live hier matin. Et en fait, elle se lance. Enfin, elle se relance parce qu'elle y était déjà. Et c'est là encore où on a des points en commun. Parce que moi, il y a 4-5 ans de ça, c'était dans les débuts que j'étais avec mon chéri. Donc oui, on va dire. Ouais, mois de décembre, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble, donc ouais, un peu plus de 4 ans. Toujours à cause de cette dépression, c'est vrai que moi, j'essaye de trouver quelque chose. Voilà, si je peux être à domicile pour travailler, parce que c'est vraiment quelque chose de très compliqué, l'extérieur, pour moi. Et j'ai découvert, du coup, le VDI. Voilà, en fait, tout simplement, c'est vendeur indépendant à domicile, à l'ancien temps, un petit peu. Et en fait, je me suis lancée comme ça en tant que VDI. Alors à l'époque, moi, c'était pour Moder. Je pense que ça existe encore. Et via en fait ce VDI, j'ai tout simplement. C'est là en fait où j'ai découvert le développement personnel, vu qu'il faisait en parallèle des formations par rapport au marketing de réseau, tout ça, développement personnel par rapport aux actions. Voilà, tout ça. Donc j'avais une petite équipe. Voilà, ça fonctionnait. Je vais pas dire que ça fonctionnait pas. Après, j'étais pas, enfin, je suis pas vendeuse, je suis pas, je sais pas, ça me correspondait pas dans le principe. Après, manager une équipe et tout, ouais, c'était assez sympa, mais voilà, en finalité, ça n'a pas convenu. Je pense aussi psychologiquement, n'étais peut-être aussi pas prête par rapport au développement personnel, toutes ces petites choses-là. Je pense qu'il y avait des choses qui n'étaient pas mises en place, mais en tout cas, humainement parlant, au niveau de l'enrichissement que cette expérience m'a donné, ça m'a vraiment. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est grâce aussi au développement personnel, puisque moi j'ai continué ça en fait, même en arrêtant le VDI, et ça m'a quand même beaucoup aidé, et c'est comme ça que j'ai connu David Laroche, du coup. Donc tout ça pour dire que Adoration, du coup, s'est remis en VDI, parce qu'elle y était il y a quelques années, donc c'est fou, hein, on a à peu près. On a des choses vraiment similaires dans notre parcours. Et elle s'est mise, du coup, elle travaille avec la société Unique. Donc, je trouve ça hyper cool, parce que c'est vrai qu'à l'époque, déjà, où j'ai. C'est quand j'ai. Avant de commencer Moder, en fait, j'ai cherché, j'ai fouiné, j'ai vraiment essayé de trouver. Parce que je travaillais aussi avec Exhalescence. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un connaît. C'était au niveau des parfums, c'est un peu comme Nox, en fait. Et voilà, et c'est vrai que le VDI, c'est hyper cool dans le sens où, comme elle le disait, on a notre boutique. Franchement, pour faire un business, si vous êtes dans le move, franchement, il y en a, enfin, il y en a, je l'ai vu, hein, il y a des gens qui sont vraiment faits
plus que des salaires. Enfin, c'est vraiment incroyable ce qu'il est possible de faire. C'est vraiment impressionnant. Et en plus, quand vous avez des bons produits, forcément, bah, ça, voilà, ça coule. Et du coup, Unique aussi, j'en avais entendu parler. Après, moi, le make-up, à l'époque, c'était pas du tout quelque chose qui me correspondait. À l'époque, je ne me maquillais pas beaucoup. C'est vraiment quand j'ai connu YouTube que j'ai commencé vraiment avec le maquillage. Même si quand j'étais enfant, j'étais un peu coquette, comme disait ma grand-mère, mais c'était à cause de ma grand-mère. Et après, j'ai vraiment lâché ça. J'étais vraiment un garçon manqué au collège. Enfin, ça, voilà. J'étais plus. Voilà, quand je cherchais du coup pour un VDI, j'avais entendu parler des produits Uniq qui sont hyper top, dont le mascara dont tout le monde parlait à l'époque. Enfin, il y avait vraiment des très très beaux produits. Et donc tout ça pour vous dire qu'elle est en VDI avec Uniq. Donc en fait, VDI, c'est tout simplement en fait, elle est représentatrice, elle est ambassadrice de la marque. Elle est conseillère, elle est là pour vous guider, pour vous guider, pour vous conseiller, pour plein de choses en fait. Et en fait, c'est bah, clairement, en fait, si vous passez par ses liens, par sa boutique, par elle, en fait, bah, elle touche des commissions, des choses comme ça, voilà, comme n'importe quelle vendeuse, en fait, tout simplement. Et voilà, la qualité que vous avez, c'est que vous avez quand même le conseil. Calico, tu fais pas de bêtises, sors de là. Allez. Donc voilà, donc franchement je suis ravie pour elle parce que franchement c'est quand même des bons produits. Donc si ça vous intéresse, hein, je ne sais pas si. Parce que vous m'aviez envoyé dans les colis. Attention, je fais de la promotion. Je fais de la promotion quand y a quand c'est bon. Alors, je suis pas payée pour dire ça, hein. Elle va pas me donner un sou, hein. Mais c'est vrai que voilà, si ça peut vous intéresser, si vous. Parce que vous m'aviez envoyé des petites choses uniques. Ah, je sais plus où j'ai mis ça. Mais c'est vrai qu'Unique c'est quand même réputé. Voilà. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, voilà, et puis je vous donnerai ses coordonnées si vous ne connaissez pas Adoration. Sinon, je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. Voilà, n'hésitez pas sur Instagram, comme ça, si vous voulez. Bah, c'est plutôt cool aussi de pouvoir s'entraider entre nous. Et puis, encore une fois, voilà, c'est des bons produits. C'est une belle personne, donc bah, c'est normal de donner un petit coup de pouce. Voilà. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. Et donc aujourd'hui, donc hier je ne vous ai pas repris du coup, voilà, je ne me suis pas maquillée encore aujourd'hui parce que ce matin du coup on avait rendez-vous pour le rendez-vous pour l'EMG en fait tout simplement. Donc on avait rendez-vous ce matin, j'ai été réveillée à 5h du matin donc autant vous dire que je déteste être réveillée. Alors je suis pas du tout quelqu'un du matin et encore j'ai fait énormément d'efforts par rapport à avant. Avant j'en étais agressive quand on me réveillait le matin, j'ai jamais été du matin. Et j'ai jamais aimé encore plus, ça c'est un truc qui m'hérisse le poil, c'est quand on me réveille. Donc voilà, j'ai été réveillée ce matin, bref. Donc je ne me suis pas vraiment rendormie et tout. Donc du coup ce matin j'ai préparé deux colis Vinted que j'ai déposés du coup après le rendez-vous. Donc on est allé au rendez-vous pour monsieur, donc il a eu de l'électricité dans les mains, donc c'était ça le MG, comme certaines personnes du coup en commentaire me l'avaient dit. Voilà, et puis du coup, là, rendez-vous pour les jambes au mois d'août. Donc, apparemment, ce serait peut-être un canal carpien. Voilà, à revoir par rapport au compte rendu du coup du rendez-vous. À revoir avec le médecin par rapport à ça. On a eu aussi une très bonne nouvelle que Pôle emploi, du coup, décale d'un mois bah, ses indemnités. Voilà, alors qu'il n'a pas eu 4 000 euros en solde de tout compte, donc c'est pas logique, mais bon, bref. Donc, ce mois-ci, bah, walou, hein. Ça va nous rappeler des beaux souvenirs. Donc voilà, le mois prochain, ça ira mieux, mais bah, c'est les montagnes russes, hein, c'est vraiment une catastrophe. Mais du coup, j'ai de la chance de vous avoir parce que ce matin, j'ai eu un très beau petit cadeau. Voilà, un très gros cadeau, clairement. Il est plus gros que moi, hein, voilà. Donc c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé un colis. Je vais pas dire colis surprise parce qu'à chaque fois je suis plus ou moins au courant quand même, hein, je ne vais pas faire genre. Donc j'ai pas mal de vêtements, donc je vais pouvoir voir un petit peu par rapport à tout ça. C'est plutôt cool, merci beaucoup. Franchement, il y a un petit top rouge. Alors c'est pas forcément. Ouais, je suis pas très colorée, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? À voir. Je vais voir de toute façon par rapport à ce que j'ai reçu, je vais essayer de mon côté et je verrai bien un petit peu. Donc dans le colis, il y a plein de petits gâteaux, chocolat. Mon chéri, il les a déjà eu.
faut que je fasse attention. Voilà, les petits gâteaux comme ça, j'en ai pas mal. Il y avait plein de choses, hein, clairement, plein de choses. Il y avait une jolie boîte comme ça, elle est magnifique, en velours rouge comme ça. Il va falloir que je trouve de la place. Et une petite bougie avec un petit ange, je sais pas si vous allez voir. Un petit ange comme ça, trop mignon. Elle est trop mignonne, et du coup, c'est une petite bougie à l'intérieur. C'est trop mignon, ça. Un petit sachet comme ça. Et ça, vous savez, est-ce que vous savez à quoi ça sert? Ça, c'est les anciens trucs, je crois. C'est... alors moi, quand j'étais petite, en tout cas, on mettait ça dans le linge. Voilà, pour que le linge sente bon. Je ne sais pas. Ou sinon, peut-être au rideau. Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est plus pour le linge. Ça sentait la lavande à l'époque. Tout sentait la lavande à l'époque, je crois. Ouais, ça doit être à peu près ça. Voilà. Donc après, même mon petit déco et tout, c'est hyper sympa. Donc c'est la petite boîte, elle est comme ceci. Ensuite, bah du coup, ça tombe bien. C'est comme le vlog n'est pas très très long, du coup, ça va permettre de, ouais, d'avoir un petit peu de contenu. Et j'ai eu aussi une très bonne nouvelle ce matin par mail. Je vous en dirai pas plus pour l'instant. Mais je veux vous remercier parce que c'est quand même grâce à vous tout ce qui se passe. Donc merci vraiment du fond du cœur. Un petit pinceau de maquillage comme ceci. Alors il y a trois embouts. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça se goupille. Ça. Je vais regarder ça. Les petits échantillons de parfum, tout ce que j'adore. Alors ça c'est... J'adore ça. Alors ça, j'ai trouvé ça trop mignon. En plus, je suis parisienne. Ma ville de naissance, c'est Paris. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. C'est une genre de boîte de conserve en forme de tour Eiffel. C'est trop cutie. J'adore. À l'intérieur, il y avait un mini rouge à lèvres Sephora comme ça. J'adore. J'adore les petites choses. C'est la teinte. Je ne sais pas la teinte. R49 Belly Dancing. Et c'est un... Alors, vous le voyez un peu plus rouge. Mais il est un peu plus bordeaux marronné. Ouais, il n'est pas aussi rouge que vous le voyez en caméra. Mais tout petit comme ça. Trop mignon. De toute façon, il va aller là. Voilà. Et dans la petite boîte, j'ai eu des petites pampilles comme ça. C'est trop mignon ça. Pour coller un peu partout. Comme j'aime bien tout ce qui est. Un petit cœur. C'est trop mignon. Une petite barrette avec une petite plume. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Et avec un genre de petit diamant. Alors ça, je vais le mettre parce que ma mèche commence déjà à m'enquiquiner. Hop. Elle est trop mignonne. Et un tout petit... c'est trop chou. C'est un petit hibou, une petite chouette. En genre de petit... de petite pampille à accrocher comme ça. C'est trop mignon. Ça, tu vas aller juste devant moi. Ça, je te verrai toujours. Ensuite, j'ai eu des petits carnets de notes. Donc ça, c'est cool parce que je suis en train d'arracher celui que j'ai là. Je suis en train d'arracher déjà toutes les pages qui servent plus. Donc j'ai presque plus rien déjà. Il est trop mignon. Pour mettre en déco, c'est trop mignon. Alors c'est dommage, j'ai pas de photo. Faudrait que j'essaye d'imprimer une photo. Mais c'est trop mignon. Une photo de moi, bien sûr. Non, je rigole. C'est trop mignon avec le petit rouge à lèvres, le petit 5 à main. Ça, c'est trop girly. J'adore. Mais il va falloir que je trouve la place. Alors... Ma mère disait toujours, et elle aimait bien faire ça, enfin, elle aime bien, elle est toujours vivante. Hein. Mais comme elle disait, à chaque fois qu'elle faisait des cadeaux, elle disait toujours, un cadeau peut en cacher un autre. Tu sais de quoi je parle. Elle m'avait mis une petite serviette comme ça, et quand j'ai touché, j'ai dit, c'est bizarre, la serviette m'a l'air un peu dure, et du coup, elle avait mis le petit cadre dedans pour pas qu'il y ait de casse, en fait, tout simplement. Et ça, c'est un petit torchon, c'est l'Estagnol serviette invitée. Et c'est la teinte jade. Et c'est trop mignon. C'est bien parce que tu m'as mis des trucs hyper utiles. Voilà. En plus, je disais à mon chéri, c'est bizarre, mais les torchons, ils ont disparu. On avait acheté des torchons. Je ne sais pas si vous êtes c'est pareil chez vous, mais il y a des choses qui disparaissent. Ensuite, un petit carnet comme ça. En fait, c'est un genre de petit coffret. C'est princesse papier à lettres. Pour des mots doux, des mots fous, des petits mots, des mots choux, des mots chauds. Des mots rigolos, des mots bout de chou. C'est trop mignon. Et à l'intérieur, en fait, vous avez du papier à lettres, les enveloppes. Ça me rappelle mon enfance. Tout ça. Oups, là. Vous voyez, papier à lettres comme ça, il y a des enveloppes. Attendez, je vous montre sans que ça se casse la binette.
Oui, un vrai coffret. Ça coûte cher, les trucs de papeterie comme ça. Ça fait des folies. C'est pas bien. Ensuite, alors attendez, je vais me lever, ça va être plus simple. J'ai tout ressorti du carton, comme ça va être plus simple. Et je vais vous montrer à la base pourquoi elle devait m'envoyer un colis. Bon, pour les vêtements, mais pour aussi autre chose. Elle m'a mis deux petites tasses comme ça, c'est trop mignon. Donc là, c'est madame et là, c'est monsieur. Ah, ça reflète très bien, monsieur, ça reflète très bien, madame. Voilà, merci beaucoup. Une petite tasse comme ceci. Voilà, London, Paris, New York, Rome. Elle est très, très mignonne, elle est toute petite par rapport à ma petite tête. Et elle est grise à l'intérieur, comme ça. Elle m'a refait et j'avais eu un commentaire suite à bah, quand elle m'avait, parce qu'elle m'a déjà envoyé des colis. Et en fait, elle fait des petites choses elle-même et on m'avait demandé si c'était une créatrice qui faisait ça. Et du coup, non, c'est une abonnée, mais c'est une créatrice dans l'âme. Elle m'a fait une petite fraise comme ça, trop mignon. Je ne vais plus avoir assez de clés pour mettre les porte-clés. Ensuite, une petite mignonnerie comme ça avec un petit support. Et en fait, vous voyez, c'est une petite abeille. C'est trop mignon, il y en a même pour ranger des petites choses. J'adore. Un petit bougeoir comme ceci, avec une petite bougie chauffe-plein à l'intérieur. C'est trop mignon. De chez Sephora, elle m'a mis une crème beurre pour le corps Guarana. Voilà, c'est un format de 100 ml. Je connais pas du tout. Je savais même pas que ça existait. Je suis trop contente. Elle m'a mis un petit chat comme ça en aimant, mais en fait, c'est un thermomètre à l'intérieur. Je savais même pas que ça existait, ces petites choses-là. C'est trop mignon. Ça peut vous donner des idées du coup. Et pour finir, l'objet du crime à la base, elle m'avait dit qu'en fait, elle m'avait trouvé des petites choses pour mettre toutes mes paires de boucles d'oreilles. Hein, parce que vous savez que j'ai une grande collection de paires de boucles d'oreilles. Et encore, j'ai fait un peu de tri, j'en ai donné. Mais j'ai quand même une grande collection. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper original parce que je ne savais absolument pas que ça existait. Alors, la première, si, j'en avais déjà vu comme ça. Mais la deuxième, j'aurais jamais pensé. Donc, déjà, nous avons cette magnificence. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et là, voilà, on peut mettre des petits bijoux, des petites choses. Donc, c'est vraiment hyper bien fait. Franchement, c'est hyper bien fait. J'adore. C'est hyper original comme ça. Et le deuxième, c'est top. Hein? C'est top. Pour mettre toutes les paires, pour pouvoir les accrocher et tout, c'est hyper top. Alors, je vais m'amuser maintenant à mettre toutes mes paires de boucles d'oreilles. Il va falloir que je sache où je vais mettre ça. Donc, bah, j'ai un peu de rangement du coup et de déménagement à faire, mais je vous montrerai tout ça bien sûr dans le vlog. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc, merci du fond du cœur, vraiment, mille merci. Je vais regarder aussi pour les vêtements du coup, voir un petit peu ce qui me va et voir un petit peu tout ça, ranger tout mon petit bazar. Pour aujourd'hui, ça va être à peu près tout, clairement. Je vais aller manger, je vais aller dormir un petit peu. Demain, je pense que je vous ferai une vidéo parce que j'ai une idée de vidéo qui m'est arrivée. Parce qu'hier, j'ai fait un peu le tour un peu de YouTube, voir un petit peu les petites choses qui se passaient, les petits trucs. Et du coup, j'ai un sujet à tout simplement voilà, à dire. Donc, du coup, on en parlera dans un petit chat make-up. Ça va changer. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Comme ça, on va tester quelques petites nouveautés en même temps. On va papoter, on va se maquiller. Voilà, je pense que ça va être pas mal. De toute façon, ma vidéo pour demain est prête. Donc voilà, ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Et puis, il faut que j'entame aussi ma semaine prochaine. Je ne sais absolument pas comment les vidéos vont être la semaine prochaine. Pour l'instant, je suis partie de lundi, mercredi, vendredi. En sachant que du coup, bah, y a, la fin de semaine, il y a des choses qui se rajoutent. Parce que il y a plein de petites choses surprises qui arrivent la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus, mais gardez votre argent. Merci du fond du cœur d'être là. Mais vous me soutenez déjà énormément. Si, c'est ça que je voulais vous parler. Parlons d'argent. Parlons de choses qui fâchent. YouTube a mis en place, du coup, un système bah, qui est propre à tout le monde. Hein. J'ai l'impression que c'est accessible pour tout le monde. En fait, c'est juste une option qu'il faut mettre par rapport au paramétrage YouTube. Sous chaque vidéo, maintenant, vous avez un petit. Enfin, en tout cas, sous chacune de mes vidéos à moi. Vous avez un petit cœur avec merci dedans. Et en fait, c'est tout simplement par rapport
pour faire des dons directement sur YouTube, en fait, au lieu de passer toujours par des liens, par exemple Utip, Tipeee, choses comme ça. D'ailleurs, vous avez toujours mon lien aussi Tipeee en barre d'informations si vous voulez soutenir la chaîne. Ce n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez la soutenir en commentant, en likant, en vous abonnant à la chaîne. C'est déjà énorme. On est 3200 sur la chaîne. Ça fond, ça... C'est juste incroyable. Merci, merci, merci du fond du cœur. Objectif 4000 bientôt. Voilà, donc vous avez d'autres outils du coup maintenant qui sont mis en place, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, je vous en parle pour vous donner l'information, encore une fois je n'oblige à rien, voilà. Voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui, donc comme je vous dis ça va être je pense une petite fin de semaine assez tranquillou, il pleut depuis 2 jours en plus, le temps n'est pas forcément top, c'est bon pour mon rosier, comme ça j'ai pas trop besoin de m'en occuper. Voilà, ça va être une petite fin de semaine assez tranquillou. Je vous reprendrai de toute façon demain pour clôturer le vlog qui sera ma foi pas très intéressant parce que voilà, c'était une semaine un petit peu de repos tout simplement. Mais la semaine prochaine, je pense qu'il va se passer énormément de choses, donc soyez au rendez-vous. Je vous fais des gros bisous et puis de toute façon, on se retrouve plus tard. Je vous reprends, il est 19h, alors je suis passée par le bain. Je n'ai pas fait ma sieste, donc je suis épuisée et j'ai fait pas mal de petits masques, donc ça m'a fait du bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de masque. Et du coup là j'ai fait la totale. Et je teste un petit produit, je vous en reparlerai, l'une d'entre vous me l'a envoyé et on tient peut-être quelque chose, mais je vous en reparlerai de toute façon. Je voulais vous montrer, du coup j'ai installé un petit peu tout ce que j'ai reçu dans le colis et du coup je voulais vous montrer la... Je voulais vous montrer parce que c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Du coup, la petite dame, je l'ai mise là. Et je l'ai du coup accordée. Je lui ai mis un petit bracelet comme ça. J'ai tous mes gris-gris. Mon petit collier, que j'avais oublié, que j'avais d'ailleurs, parce qu'il était en déco de l'autre côté. Et c'est vrai, j'y faisais pas attention. Donc, mon petit collier doré que je mettrai avec mon serre-tête doré, du coup. La petite montre chouette qui est ici. Et le... Vous savez, c'était dans un des porte-clés que j'avais acheté sur Shein. Donc du coup, je l'ai mis là. Voilà, la petite dame est très bien mise. J'ai remodifié encore pas mal de petites choses. Je remodifie tout le temps. Du coup, la petite tasse, je l'ai mise là. C'est bien pratique. Donc j'ai remodifié pas mal de petites choses encore. Voilà. J'ai préparé le masque, du coup, pour le chit-chat make-up de demain. Je le mettrai pour le tester, le masque Sephora Primer, pour voir un petit peu. Et puis voilà. Et puis j'ai mis la petite chouette là, parce que du coup, j'ai mis un petit... Un genre de petit... Ah, je suis un peu gris-gris. Hein. Gris-gris sur les bords. Voilà. Et puis, je vais vous montrer le reste. Du coup, la tour Eiffel, je l'ai mise ici. Voilà. Et j'ai mis toutes mes boucles d'oreilles dessus. Enfin, pas toutes mes boucles d'oreilles. Mais vous voyez, ça rend super bien. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu le tour. J'ai pas encore tout mis, mais j'ai mis... J'ai mis celle que... Ah, il y en a une qui se fait la malle. J'ai mis celle que je... Voilà, que j'aime beaucoup. Là, on a les petits chats, juste ici. Voilà. Celle-ci, c'est chez Shein. Ça, c'est Nose. Shein. Nose. Ça, c'est une des premières de Nose. Ça, c'est l'une d'entre vous qui me les a envoyées. D'ailleurs, je les ai toujours pas... Je les ai pas mises beaucoup. Je les aime beaucoup. Donc, il faudrait que je les mette. Ça, c'est Shein. Le petit bracelet qui va avec les petites boucles d'oreilles. Les petites boucles d'oreilles que l'une d'entre vous m'a fait. Mon petit bracelet Shein, mon petit porte-clés Santoro, voilà. Et du coup, j'ai remodifié un petit peu, voilà. Donc, c'est pas fou. Vous avez du coup, je sais pas si je vous l'avais montré du coup, je l'ai fait en réel, mais je sais plus si je l'ai montré dans le vlog. En fait, j'ai mis ça comme ça, et je vous ai fait le réel de ça, voilà. En fait, c'est un petit cube qu'il y a comme derrière. Tu sais, je crois que je vous en avais déjà parlé. Et du coup, j'ai mis mes serre-têtes ici. Bon, après, il n'y a pas grand-chose qu'à changer ici. Voilà. Ah si, juste petite astuce, comme j'avais plus de vase, hein, parce que j'ai pris le vase de là, en fait, pour mettre derrière moi. En fait, j'ai pris la bouteille... tout se recycle. J'ai pris la bouteille de... Comment ça s'appelle? Vous savez, le... C'était le liquide pour le bain, je ne sais plus comment on appelle ça, bref, que j'ai nettoyé, c'était chez Action, vous vous souvenez, le liquide était, d'ailleurs c'était un flop total ce produit-là, et en fait je l'ai juste nettoyé, j'ai mis mes petites pampas, mes fausses pampas,
du printemps. Voilà, j'ai mis dedans, donc c'est plutôt pas mal. Et puis du coup, bah, on a ça. Voilà. Nous avons Monsieur Calico qui a dormi toute la journée et qui se réveille. D'ailleurs, nous avons le soleil, voilà, 19h, fin de journée, le soleil arrive, il a plu toute la journée, on est content. Voilà, Monsieur le beau gosse est toujours à sa fenêtre. Et Madame la princesse, vous êtes à contre-jour, voilà, qui est toujours aussi avec nous. Voilà, c'est très dur la vie ici. Voilà pour aujourd'hui, après on va aller manger, et puis voilà pour la journée. Demain, rien de particulier, sauf que faut que je tourne deux vidéos, donc je vais pas me lever trop tard. J'espère que ce soir, je vais bien dormir. Et puis, voilà, voilou. J'espère en tout cas que vous allez bien. Vous voyez comment ça rend super bien. C'est une idée hyper originale. Je connaissais pas du tout ce système-là pour mettre les boucles d'oreilles. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Bah, de toute façon, voilà, j'espère que vous allez bien et on se retrouve plus tard. Bonjour, bonjour, on est vendredi 6 mai, il est 9h20 à peu près. Oui, je suis entourée de petits chats et je viens de me réveiller et j'ai été réveillée par mon chéri qui m'a dit que il y avait des colis pour moi. Voilà, tout simplement. Alors, je suis toujours un peu. Alors, je suis très contente, merci, du fond du cœur. J'ai pas ouvert, j'ai juste regardé. Voilà, j'ai juste pré-ouvert pour voir s'il n'y avait pas trop, enfin pas de casse visuellement. J'ai hâte de regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que du coup il y aura une vidéo bonus. Voilà, je vais l'ouvrir en vidéo parce que comme vous le savez, sinon mon vlog, j'ai toujours du mal à l'uploader s'il est trop long. Donc voilà, bah écoutez, du coup je vais vous faire, je pense, une partie un peu vlog. Je vais vous faire une. Voilà, vous aurez un petit vlog bonus en gros. Donc j'ai ma tête de fatiguée, hein, je viens de me réveiller, donc je vais aller prendre ma douche. Je vais aller me make-upiser un petit peu quand même pour être à peu près correcte, hein, pour voilà, pour ouvrir tout ça. On adore être réveillé avec des petits cadeaux, donc encore une fois, j'étais au courant. J'avais quelques petites instructions, mais je ne savais absolument pas ce qu'il y a dedans et c'est juste incroyable. Voilà, donc juste j'espère que voilà, je fais pas, je ferai une vidéo sur ça, on verra ça plus tard, mais ne le prenez pas mal s'il y a des colis que je montre en vlog et d'autres que je montre en vidéo, c'est pas pour mettre plus de personnes en valeur ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, c'est juste que par rapport à mon timing, voilà, à mes vidéos, j'essaye de gérer un petit peu, donc bah voilà, je vais aller me make-upiser et puis je vais ouvrir tout ça, donc c'est parti. Pour montrer, ou je vous avais pas montré, en fait mon chéri a fait une petite barrière comme ça pour éviter que les chats sortent. Bon après voilà, même sans la barrière ils sortent pas trop sur la terrasse, mais du coup psychologiquement voilà, comme ça on peut avoir un peu le dos tourné. Après encore une fois ils sont pas trop du genre à aller sur la terrasse. Mes chats pour info sortent pas du tout. Et du coup mon chéri il a fait une petite barrière comme ça, je vous l'avais pas montré. Bon, il y a un petit écart, mais bon, après, c'est pas très très grave. Mais du coup, ça, voilà. C'est plus psychologique pour maman qu'autre chose. On se retrouve, il est 13h27 précisément. Je suis sur le PC. Alors, je sais plus. C'est compliqué parce que du coup, comme j'ai fait un double vlog, entre guillemets, voilà. C'est juste incroyable, du coup, tout ce que j'ai reçu. Merci encore du fond du cœur. Vu que ça a duré un petit moment, je me suis dit que c'était plus facile pour moi de faire tout simplement en fait une vidéo à part. Et puis comme ça, on était vraiment centré sur le sujet, donc c'était plus sympa. Je suis désolée, vous entendez toujours ma chaise qui couine. Donc après, ce qu'on a fait, c'est que on a fait du coup, on a fait le ménage. On vient de finir le ménage. Franchement, la poudre, je vous en parle tout le temps, hein, mais cette poudre-là, moi je l'ai en teinte 0,10, je crois, je vous avais dit. J'ai regardé sur Notino hier parce que je vous ai fait un petit récap des petites promos en ce moment. Si j'y pense, je vais vous en parler après. Pendant que j'y pense, je sais, il y a plein de trucs. C'est mardi, je crois. En fait, j'ai supprimé la séquence où je vous montre les serre-têtes. Donc, je suis désolée. Du coup, bah, vous l'avez vu hier. Donc, bah voilà, il n'y avait pas plus de choses du coup. Je suis vraiment désolée.
J'ai perdu le fil. Le ménage. Donc on a fait le ménage et franchement, pourtant j'ai transpiré tout et cette poudre. Et je l'ai utilisée quand je l'ai utilisée la dernière fois. C'est pareil, on est allé chez ma soeur. On avait marché l'après-midi un peu au soleil et on avait fait un peu de sport avec la Nintendo Switch. Et franchement, cette poudre-là, mais elle est impeccable. Impeccable. Bref, et en fait, on a fait le ménage. Ça a duré longtemps le ménage, du coup. Parce que, comme vous savez, le vendredi, c'est le ménage ici. Et on le fait aussi quelques jours dans la semaine, hein, mais le gros ménage, en tout cas, changement des draps et tout le tralala, c'est vraiment le vendredi. Oh, moi, je ne sais pas. Bon, je regarderai ça après. Et on a voulu faire des petits réels parce que vous allez avoir le haul Shein ce soir. Et en fait, j'ai acheté une genre de brosse en plastique pour enlever les poils de chat sur par exemple les canapés, leurs paniers, les trucs comme ça. Et franchement, elle marche du tonnerre. C'est vraiment une astuce pas chère au lieu. Parce que moi, en fait, je passais mon temps avec mes mains à frotter comme ça. Donc, au bout d'un moment, en fait, j'avais les mains. Ça chauffe quoi. Donc ça enlevait les poils, mais bon, c'était pas très pratique. Du coup, avec mon chéri, on s'amusait à faire un réel. Donc il va falloir que je le monte après. Je sais pas si vous l'aurez aujourd'hui ou dans le week-end. Donc voilà, du coup, le ménage a duré longtemps. J'ai gardé le petit collier parce que franchement, il est trop beau. J'adore. Voilà. Bah ça, du coup, c'est le haul Shein aussi. Hein. C'est le haut Shein. Voilà, genre le mot haul dans la bouche. Donc là, clairement, donc je suis sur le PC. J'allais imprimer du coup, mais j'ai deux colis Vinted à envoyer. Parce que du coup, mon chéri veut aller voir s'il y a des palettes qui traînent. Alors, quand je vous parle de palettes, si vous venez d'arriver sur la chaîne, c'est vrai que je ne précise pas forcément, mais c'est des palettes en bois, comme vous savez ou pas. On fait pas mal de choses, enfin, on fait nos meubles, enfin, mon chéri fait nos meubles, en fait, très, très clairement. Et toutes les petites créations que je peux lui demander à côté. Donc, il fait tout ça en bois, en palette. Donc, c'est pour ça, des fois, je vous dis, oui, on est parti faire un tour s'il y avait des palettes. Donc, c'est pas des palettes de maquillage, c'est des palettes en bois. Mais c'est vrai que, voilà, ça peut être quand on sait pas. Et c'est vrai que je le précise pas du tout à chaque fois. Donc, voilà, quand je vous dis la phrase, on est parti voir s'il y avait des palettes, c'est les palettes de bois. Maintenant, vous le saurez. Donc, on va aller faire ça. Il faut du coup que je range tout ce que j'ai reçu. Que je monte la vidéo pour demain. Alors j'espère que ça va aller. Sinon, bah du coup, je vous mettrai. Je sais pas comment je vais faire. Ça dépend du temps que je vais avoir là pour monter, machin et tout. Parce que là, j'aimerais bien du coup, c'est faire les colis Vinted. J'aimerais bien manger un petit bout. Après, on ira voir du coup si il y a des palettes. Comme ça, je dépose mes colis Vinted. Et après, en rentrant, bah, tout dépend. Je me mettrai, je pense, sur le montage tout de suite. Parce que du coup, j'ai aussi le montage du vlog. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas la partie colis, si vous ne l'avez pas eu en fait samedi, parce que du coup, ça sera comme ça que ça se goupillerait. La partie colis, ça sera samedi, le vlog dimanche. Si jamais j'ai un peu cuté et que je n'ai pas eu le temps ou que ça a planté, hein, parce que vous savez que je n'ai pas un matériel de fou. Vous aurez du coup le vlog dimanche. Voilà. Dans tous les cas, le vlog, ça sera dimanche. Ça reste comme ça reste cadré. Et la partie colis, vous l'aurez lundi. Voilà. Si c'est pas avant, ça sera après. Vous inquiétez pas, vous l'aurez. Et parce que pour l'instant, du coup, j'ai pas commencé non plus mes vidéos pour la semaine prochaine. Donc là, je vous avais dit hier, je vous avais prévenu que ça allait. C'était la tempête, que ça allait être un peu la cata. Mais bon, on va pas se plaindre parce que c'est que du bonheur, que des bonnes choses. Et c'est vrai que comme du coup, on essaye de faire des réels à côté. Et ça, c'est pareil. Ça sera le sujet d'une vidéo, de toute façon. Vous expliquer un petit peu les choses. Comme on fait des petits réels, bah, ça prend du temps à côté. Et en général, il y a tout qui arrive en même temps. Ça, c'est voilà, c'est pour tout le monde pareil. Mais voilà, c'est que des bonnes choses. Donc, je suis ravie. Donc, voilà. Donc, bah, là, il faut que je regarde parce que du coup, il faut que je bascule mes bons Vinted, que je les imprime, que je prépare les colis. On a mangé un bout et après, du coup, je vous ai dit. Donc, je ne vais pas vous reprendre aujourd'hui parce que du coup, je n'aurai pas le temps de tout faire, hein, clairement. Donc, je vais clôturer ce vlog pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine avec moi. C'était très doux, très calme en début de semaine et ça finit très fort. Et je pense que la semaine prochaine, encore une fois, restez connectés parce que je pense que la semaine prochaine, il y a des grosses surprises qui arrivent, il y a des grosses choses qui arrivent. Donc ça va être très intensif et très bon, tout simplement. Voilà.
En tout cas, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, profitez de la vie, profitez du soleil qui arrive, hein, parce que nous avons le soleil aujourd'hui. Et ils annoncent pour les saints de glace, mais mercredi et jeudi, si je dis pas de bêtises, hein, si j'ai bien suivi. Donc, c'est les saints de glace. Donc, à partir des saints de glace, voilà, on peut planter tout ce qu'on veut. Mon rosier va être heureux. Ils annoncent très chaud la semaine prochaine, donc j'aimerais bien aussi avancer. Parce que c'est pas forcément l'idéal de, voilà, de tourner et se maquiller quand il fait hyper chaud. Et moi, la chaleur, vous savez que j'aime pas ça. Voilà, mais en tout cas, y a du soleil qui arrive la semaine prochaine. Donc ça, c'est cool, il y a du beau temps. Voilà, la semaine prochaine risque d'être une très très bonne semaine. Voilà un petit peu. Donc profitez de la vie, profitez des moments simples, hein, vraiment. Je suis sûre d'avoir oublié. Pourtant, hier soir, j'ai noté, mais j'ai noté sur mon téléphone. Et comme je filme avec mon téléphone, c'est toujours compliqué. Bref, en tout cas, si j'ai oublié des choses, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur d'être présent ici, maintenant, avec moi, avec nous. Je vous embrasse très fort. Et de toute façon, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle vidéo et dès dimanche prochain pour un nouveau vlog. Et je vous fais des gros bisous.